En fait, avec l'arrivée de ce mouvement révolutionnaire, en fait, j'ai été quand même prise malgré moi dans l'événement. Et finalement, il m'a semblé utile que les anthropologues se saisissent un peu des événements pour apporter une analyse qui puisse être un peu distancée, en tout cas, peut-être faire profiter de leur approche et de leur connaissance d'un contexte pour qu'on puisse peut-être mieux se saisir de l'événement en particulier. C'est vrai que la guerre du peuple a duré 10 ans, elle a absolument touché tous les domaines de la vie. Donc, c'est une série d'événements, mais c'est un petit peu plus que ça. Mais c'est vrai que je disais qu'un de ces tournants, ça a été évidemment un événement absolument sans précédent dans l'histoire, ou presque, à part l'assassinat du tsar en Russie et de sa famille, ça a été donc l'assassinat très soudain de toute la famille royale le 1er juin 2001, qui évidemment a été entouré de circonstances tout à fait exceptionnel, puisque la mort du roi ne pouvait pas être annoncée que par le roi suivant, qui lui-même était dans le coma, puisque c'était son fils, donc le meurtrier présumé, qui se serait suicidé après avoir tué tout le monde. Donc finalement, il y a eu un moment assez étonnant où les chaînes d'information ne diffusait que de la musique un peu funèbre quand même, sans donner l'information. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a duré à peu près une journée, et la rumeur s'est répandue d'elle-même, sans les moyens de communication habituels. Et donc, j'ai été très frappée par à la fois l'événement et la façon dont il s'est communiqué à la population. Non seulement finalement au Népal, surtout au Népal, mais même moi, très peu d'heures après l'événement, on m'a appelée pour m'en parler, quoi. Et beaucoup de gens comme ça ont utilisé des réseaux interpersonnels pour diffuser cette information. Et du coup, en fait, je n'étais pas au Népal quand ça s'est produit, mais j'ai pu demander à des personnes sur place de réunir l'ensemble de la presse pendant les quelques jours suivant l'événement pour comprendre justement comment ça avait été médiatisé. Et ce qui m'a intéressé, c'est que la presse, c'est rapidement en tout cas, n'ayant eu aucune information particulière elle-même, s'est intéressée aux rumeurs, ce qu'elle appelait les rumeurs, puisque ce silence, évidemment, s'est accompagné des rumeurs les plus folles. Déjà, on va dire que la vérité factuelle dépassait l'entendement et que du coup, forcément, les gens s'imaginaient qu'il y avait eu nécessairement des complots derrière et que ça présageait des événements encore plus terribles. Et par cette analyse de la presse et des rumeurs rapportées, ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait qu'était disqualifiée en fait la parole ordinaire avec ce terme de rumeurs qui, en fait, en népali, n'a pas le sens d'un son diffus qu'on distingue mal, mais plutôt d'un vacarme, quelque chose d'assourdissant. Et donc, là aussi, la notion est intéressante puisqu'elle n'a rien à voir, mais qu'on voyait qu'elle était disqualifiée, finalement, cette manière
donné sens à ces événements sans précédent, tels que ce massacre collectif, et alors que précisément les journalistes en fait colportaient des rumeurs, eux, sur ce que ça annonçait en fait. Donc il y avait ce double mouvement qui m'a beaucoup intéressée. Et bon, du coup, en fait, ayant travaillé sur le sacrifice, sur la violence guerrière révolutionnaire, sur la manière de donner un sens à une violence extraordinaire qui touche le cœur de la royauté, j'ai eu envie de travailler avec des criminels de sang ordinaires. Et ne sachant pas où les trouver tous réunis facilement dans un village, je me suis dit que le plus simple, c'était d'aller parler avec eux en prison. Et donc, j'ai obtenu l'autorisation exceptionnelle de travailler en prison. Et donc là, ma prise de conscience était que non seulement l'anthropologue doit, bien sûr, certainement commencer par une longue immersion, par l'apprentissage des langues, parce que sans une très bonne maîtrise de la langue, on ne peut vraiment pas comprendre quoi que ce soit, mais qu'il est important par la suite de donner un éclairage aussi aux événements qui vont transformer. Là, en l'occurrence, ça a précipité la fin de la monarchie, puisque le roi qui a succédé au souverain assassiné n'a jamais eu de légitimité. Donc, en fait, finalement, toute la diabolisation de la personne du roi a été rendue possible aussi par cet événement. Donc, c'est vrai que c'est ce dialogue entre l'événement et ce qui est plus durable, plus structurel dans chaque contexte culturel qu'on doit peut-être documenter. Mais donc, quand j'ai voulu aller parler à des criminels ordinaires en prison, le second enseignement que j'ai tiré, c'est que finalement, l'anthropologue aurait aussi, à mon avis, comme rôle de nous instruire sur comment on peut gérer des institutions telles que la prison qui sont très problématique dans de très nombreux contextes, avec une organisation qui semble mieux supportée par les personnes qui s'y trouvent et où, en tout cas, il y a moins de déshumanisation, de désocialisation, où finalement la vie continue, la carrière continue dans les prisons népalaises. Et tout ça, pour moi, a été une découverte. Il faut dire que la prison est un monde à part, comme partout au Népal, et que je n'avais pas du tout d'idée de comment elle fonctionnait, mais au même titre que les Népalais. C'est-à-dire que si je leur raconte comment ça fonctionne, ils sont tous très surpris. Et ça va même plus loin, c'est que, là aussi, comme toujours, j'ai allié comme méthode d'entretien la discussion directe avec les prisonniers, et la lecture de leurs textes, rendue possible là encore parce qu'il y a un petit journal pour les faits par des prisonniers, pour des prisonniers, qui s'appelle Jail Samsar, le monde de la prison, dans lequel il y a pas mal de censure, puisque j'ai pu parler avec l'éditeur qui ne peut pas tout publier, mais quand même, qui publie beaucoup de témoignages, d'histoires de vie, et là encore de poésie. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que, on avait des lettres de prisonniers écrivant à leur épouse en disant on croit que la prison, c'est comme ci, comme ça, mais pas du tout, j'ai découvert tout un monde. Enfin, donc on voit que les Népalais incarcérés eux-mêmes découvrent un monde dont ils n'avaient pas idée. Donc c'est effectivement quelque chose d'assez inconnu et qui mérite précisément d'être un peu documenté et publié, d'autant qu'il s'agit de types de
prison très différent des nôtres, qui sont sur une base collective et qui ont été énormément décriés, à la fois dans les films où on voit ce type de prison, un fameux film, mais également dans la littérature consacrée à la prison en Inde, qui a le même système qu'au Népal. On va dire que le Népal a emprunté le système indien, où cette organisation interne des prisonniers entre eux, qui forment une collectivité presque autonome, va être critiquée pour son amoralité, en fait, puisque les criminels, certains donc, vont avoir des positions de pouvoir à l'intérieur de leur groupe et finalement organiser la vie collective de cette manière. Donc, c'est vrai que j'ai récolté quelques éléments intéressants sur, sur la perception de la violence ordinaire, le crime de sang, mais j'ai été happée en fait par cette organisation et happée puisque en fait mes interlocuteurs tenaient à en parler également. C'est-à-dire que les prisonniers allaient se présenter tout de suite en me signalant s'ils étaient des personnes ordinaires ou s'ils étaient des gradés, puisque c'est ainsi que les prisonniers qui ont une responsabilité sont désignés à l'intérieur de la prison. Et donc cette organisation, moi j'ai trouvé qu'elle était bien pensée et assez équilibrée, malgré toutes les critiques qu'on pouvait en faire, dans le sens où il y a un équilibre des pouvoirs assez important, puisqu'en fait, finalement, la prison est un peu comme un camp, c'est-à-dire c'est un espace clos à l'intérieur desquels il y a une assez grande liberté de mouvement, à l'intérieur des murailles, et ce sont quelques bâtiments où on peut vaquer en fait d'un bâtiment à l'autre et dans les espaces extérieurs en toute liberté, en dehors de la nuit où tout le monde doit être dans son dortoir pour dormir. Et en fait, le système de surveillance, il se fait depuis les murs où des prisonniers en fait font un chemin de... Pas des prisonniers, pardon. Des policiers font un chemin de ronde, donc pour empêcher les tentatives d'évasion. Et puis il y a une administration qui est à l'extérieur, mais qui connaît très bien les prisonniers, puisqu'ils administrent en fait une communauté autogérée, hein, d'une certaine façon. Et, mais ils les voient souvent, en fait, dès qu'un problème survient, et puis pour leur distribuer un certain nombre de biens dont ils ont besoin. Et donc ce système, il repose sur un nombre assez conséquent de fonctions de gradés. Ça dépend un peu de l'effectif de la prison, mais donc, et on remarque que ça marche particulièrement bien avec un effectif pas trop réduit et pas trop gros. En fait, c'est cette taille, il y a une taille idéale pour le fonctionnement. Parce que moi j'ai pu travailler dans plusieurs contextes, et c'est vrai que quand ils sont plus de 500, alors ça fonctionne plus très bien, parce qu'après il y a des scissions et des gangs, etc. Et quand ils sont une trentaine, également, en fait, ils sont tous gradés, et ça ne fonctionne pas si bien non plus. Et donc, dans une prison où tout le monde est d'avis que ça fonctionne très bien, c'est-à-dire tout le monde, l'administration, la police, et surtout les prisonniers, et même les prisonniers d'autres prisons qui demandent tous la possibilité d'être transférés en ce lieu qui a cette si bonne réputation, eh bien, c'est à peu près un tiers de l'effectif qui a des grades, c'est-à-dire des responsabilités. Et les responsabilités, ça peut être celle de choisir les films qui vont être montrés dans le magnétoscope. À l'époque, c'était encore un magnétoscope. Ça va être de faire la cuisine, de nettoyer les toilettes. Chacun a un secteur de responsabilité qui fait qu'il est gradé, reconnu par l'administration pénitentiaire,
et qui va avoir tout petit salaire très symbolique, hein. C'est de l'ordre de moins de 3 euros par mois, mais aussi une petite réduction de peine qui accompagne la charge, et puis surtout des responsabilités qui rendent la vie en prison beaucoup plus intéressante et agréable, au dire de tous les prisonniers. Et donc, c'est des choses auxquelles ils tiennent énormément et ils le font bien parce que sinon, ils vont perdre cette responsabilité. Et en fait, il y a une progression, c'est-à-dire que ce sont des secteurs de responsabilité, mais ce sont aussi des grades, effectivement. Et donc, plus on monte dans les grades, plus la réduction de peine est importante et surtout plus la liberté de circuler est importante. Et en fait, à la tête des prisonniers, il y a une position que tous envient, c'est celle de chef de prisonnier. Il s'appelle le chowkidar, ça veut dire le gardien de la porte, mais il ne garde pas la porte, mais il peut sortir, en tout cas par cette porte, autant qu'il le souhaite. Et c'est une personne qui fait un lien avec le monde extérieur, puisque c'est lui qui va faire les courses pour tout le monde, ce qui n'est pas fourni par l'administration. D'ailleurs, les épices, les vêtements, les produits de beauté, tout ce que peuvent avoir envie de posséder les prisonniers. Et il était de deux adjoints qui ont un régime de semi-liberté, sont un petit peu plus surveillés, parce que le chef des prisonniers, il a une moto, il peut aller à 300 km. Enfin, il a vraiment une liberté totale. Et en fait, il travaille en étroite collaboration avec le directeur de la prison, dont il est souvent un proche ami, hein, finalement, et avec la police qui surveille. Mais toutes ces positions sont temporaires, en fait. Et c'est ça qui est très important et intéressant. C'est que, par exemple, les directeurs de prison, ce sont des fonctionnaires d'un certain grade, mais ils ne sont pas du tout spécialisés dans l'administration de la prison. Et bon, par exemple, moi, j'en ai vu deux ou trois dans la même prison, avec des profils très différents. Bon, le dernier, je me souviens bien, puisqu'il avait travaillé au service de l'immigration avant. Et donc, il me disait que lui aussi, il avait découvert tout cet univers dont il ne connaissait absolument pas le fonctionnement. Et donc, il va apprendre, en fait, des prisonniers, ce qui sont les personnes les plus stables de ce système, parce qu'ils sont souvent pour d'assez longues périodes. Et il va. Pardon, beaucoup se reposer sur leur savoir-faire, sur leurs connaissances, tout en ayant ce point de vue extérieur qui fait que si il y a de la maltraitance, il y a des gens qui se plaignent, et surtout s'il y a des violences qui sont évidemment observées par les policiers qui font le tour de garde, alors là, il va intervenir. Et en fait, son moyen pour rétablir le calme, c'est de punir les responsables, puisque c'est aussi eux qui ont la responsabilité de la paix dans la collectivité. Et donc, ces responsables, ils ont beaucoup à perdre s'ils sont punis par l'administration, parce que la punition type, bon, ça peut être pour quelque chose de mineur, privation de visite, de sortie, choses comme ça, mais dès que c'est un petit peu plus grave, c'est transfert. Et donc, quand on est transféré, eh bien, on arrive dans une autre prison, on est un prisonnier ordinaire, on n'a plus rien à faire, on obéit aux ordres, etc. Et tous ses rêves de carrière sont brisés. Et donc, c'est une très très forte émulation pour conserver un climat de bonne entente entre les prisonniers et un système assez remarquable pour que les prisonniers du Népal ont tous des ceintures, des lacets. Il manie des haches, des couteaux, et ça se passe sans violence particulière, sans tentative de suicide. Donc, on peut, je pense, s'inspirer d'un système comme celui-là, avec tous ces équilibres qui ne sont pas uniquement dans la gestion des prisonniers, mais également dans cette mobilité du personnel administratif, et en particulier du directeur, qui est un élément central, parce que c'est lui qui a ce pouvoir décisionnel, et cette distance de, on va dire, de ceux dont les prisonniers au Népal se méfient le plus, qui sont les policiers, puisque presque tous disent, nous,
On aime ce système parce que sinon les policiers pourraient mal nous parler, nous brutaliser, etc. Ils sentent bien qu'ils pourraient être à la merci de ces gens qui sont là pour contrôler leur comportement. Voilà. Donc c'était les deux aspects en réponse à votre question sur à quoi aussi peut servir l'anthropologie. Je pense à permettre une analyse un peu distancée des événements qu'on a parfois du mal à penser et à comprendre puisqu'on est dedans. Et l'anthropologue, par définition, il a son extériorité qui est aidée évidemment dans le cas de ces cultures étrangères, puisqu'on a l'étrangeté de naissance, toujours l'étrangeté de la langue, du contexte, etc., qui permet aussi une forme de lucidité face à l'événement en particulier, je pense, puisqu'on est moins émotionnellement affecté également, moins sensible aux ficelles qui peuvent être tirées, etc., pour donner un sens à ce moment-là. Et en deuxième lieu, voilà, je voulais insister sur ce que finalement, on peut apprendre des autres à travers le regard de l'anthropologue, dont c'est quand même le métier de s'intéresser aux autres, mais je pense qu'il y a vraiment des enseignements qu'on pourrait tenter presque d'importer pour voir si ça améliorerait en fait, des secteurs en tout cas problématiques dans nos sociétés.